Et salut à tous, c'est Megavolt, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Donkey Kong Country. J'espère que le son sera mieux cette fois-ci, donc j'utilise pas le même micro que d'habitude. Là j'utilise en fait deux systèmes d'enregistrement, un avec un dictaphone et attaché donc avec un micro-cravate. Donc le problème de celui-là, c'est qu'il a tendance à s'arrêter tout seul quand j'arrête de parler, donc il fait des coupures. Donc pour synchroniser avec la partie du jeu qui elle est déjà enregistrée, c'est un petit peu compliqué. Donc normalement ça devrait être bon. Et j'ai pris en prise de secours. Hop là, je sais pas si ça enregistre normalement. Oui. Voilà. Donc j'ai pris en prise de secours le caméscope que j'utilisais auparavant. Alors, je vais peut-être le rapprocher un petit peu de moi, comme ça on aura les deux. Et si c'est bon, bah tant mieux. J'espère que le dictaphone sera suffisant. Donc on se retrouve dans ce niveau qui était pas trop difficile, à part eux qui nous cassent les pieds. Donc ça fait à peu près un mois que j'ai fait l'enregistrement du jeu. Donc c'est plus trop à chaud. Je suis vraiment désolé parce que j'ai vraiment galéré avec ces histoires de son. Et sinon, pourquoi j'enregistre pas en direct? Tout simplement, c'est parce que j'ai besoin de me concentrer sur le jeu pour essayer de faire une run, comme disent certains, sans mourir. Voilà. Ou en tout cas en évitant le maximum de dégâts. Et comme le jeu, ça fait super longtemps que je ne l'ai pas fait, je crois que j'ai pas dû le refaire depuis les années 90. Donc il y a pas mal de passages que j'ai un petit peu oubliés. Heureusement, la plupart, je m'en souviens, mais les passages secrets, comme par exemple l'histoire de certains bonus, je m'en suis souvenu par la suite, le x2 entre autres. Je crois même qu'il y a un x3. Donc, on se demande pas comment Donkey était resté sur le... Vous voyez, c'est un peu bizarre des fois la façon dont c'est fait. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire et on pourra faire ensemble la suite. Là j'ai failli crever. Donc le Donkey Kong 2, puis peut-être pourquoi pas après le Donkey Kong 3 si ça vous tente. Là il y a un tonneau en bas. Par contre je sais plus trop comment faire pour le récupérer. Ils sont assez casse-pieds parce qu'en fait ils sautent au mauvais moment. Donc faut vraiment être bien sur le bord gauche de la plateforme. Hop là. Donc là, un petit tonneau bonus sur la droite. Ça va, quand il n'y a qu'un seul croco, c'est pas très compliqué, mais dès qu'il y en a deux, ça devient un petit peu plus difficile. J'espère que le son du jeu sera pas trop fort. Donc là, je vais même peut-être le baisser un petit peu au niveau du retour. J'ai pas forcément besoin d'avoir du son de jeu, même si c'est plus agréable. Donc la vidéo va faire un petit peu plus de 17 minutes, d'après ce que je peux voir. J'espère que mes overlays vous plaisent. C'est Donkey et Diddy, hein, forcément, les héros de ce jeu. Et puis mon fameux papier peint des années 70-80. À la base, c'est mon frère qui avait fait le layer. Excusez-moi. Un layer donc des années pour représenter les années 80, et c'était fait pour l'Amstrad CPC. Donc il y avait une table, il y a tout plein de choses. Je sais qu'il a passé beaucoup de temps pour le faire. Et on vient de récupérer Didi. Il a mis des jeux d'ombre, il a mis
Et c'est de faire en sorte que tout ce qui est sur le bureau soit à l'échelle. Et vraiment, j'en suis vraiment très 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 content. Pour ça, d'ailleurs, que j'utilise des détournements, on va dire, de Slayer un peu partout. Et le téléviseur que vous pouvez voir, en fait, c'est un téléviseur que j'ai récupéré en image libre de droit sur Internet. En dessous du logo Gamesic, en fait, je sais plus ce qu'il y avait, il y avait peut-être des boutons, différents trucs. Donc j'ai tout nettoyé pour que ce soit propre. Je crois qu'il y a peut-être la marque du téléviseur, je sais plus. Et donc j'ai rajouté mon logo ben, pour faire propre. Et puis après, donc j'ai vidé l'écran. Alors j'ai laissé exprès un petit trait comme on peut voir sur le côté gauche. De mémoire, à l'époque, sur mon ancien téléviseur cathodique, il y avait un problème de ce type. Donc je me suis dit ça fera un petit peu plus authentique, on va dire. Donc si vous voulez avoir des secrets de fabrication par rapport à ce jeu, j'ai publié, je crois, sur ma chaîne YouTube. Si je la retrouve, je vous remettrai le lien en description de cette fameuse vidéo en fait VHS. Je crois que je l'avais même restauré avec les moyens du bord. Bon, je ne suis pas non plus, c'est pas mon métier. Et j'avais repassé en HD, j'avais fait la balance des blancs, le débruitage audio et vidéo, je crois, ou juste vidéo. Et j'avais également amélioré donc le. Comment on appelle ça déjà? J'avais accentué les contours. Là, faut prendre Donkey parce que Didi ne peut pas leur sauter dessus, ils sont trop importants ou imposants. Et bon, c'est vrai que Donkey est quand même moins maniable que Didi. Voilà, j'ai oublié le O et le N, c'est pas grave. On n'est pas là pour faire du 100%. Hop là. Et puis voilà, donc si je retrouve cette vidéo, je vous la mets en description et puis vous pourrez en profiter. Donc c'est en anglais et en même temps en français. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme le. C'est doublé, mais c'est doublé par-dessus l'anglais. C'est pour éviter d'avoir à payer des personnes qui sont parfaitement synchro au niveau du mouvement des lèvres. C'est une vidéo à l'époque que j'ai dû regarder au moins une bonne quinzaine, une vingtaine de fois. Et puis on voit en avant-première un nouveau jeu à la fin de la vidéo. Je donne les initiales, c'est K et I. Mais je vous donne. Hop là, je me suis fait toucher là. Je vous laisserai trouver par vous-même. Pas vous spoiler non plus. Donc là, on est des piranhas. Excusez-moi, je bâille. Pas beaucoup dormi ces derniers temps, à cause de la chaleur. Des bébés chats qui nous réveillent souvent la nuit. Donc là, on a l'impression d'avoir une eau un petit peu empoisonnée. Petit peu verdâtre. Puis les musiques qui sont toujours aussi magnifiques. Alors, je crois qu'il y avait un passage secret à gauche, maintenant que j'y pense. Là, il y en avait un. Donc, comme je l'ai dit sur les précédentes vidéos, ce jeu, en fait, on peut le finir à 101%. Je crois de mémoire que j'avais fait le 1 et le 2.
pardon, à 101 et 102% pour le deuxième. Mais pour le troisième, je crois pas que je l'avais terminé. Enfin, j'avais terminé normalement, mais je crois pas l'avoir terminé en essayant de d'avoir tout à fond. Sinon, donc le jeu, j'avais pu l'essayer en avant-première à l'époque quand je bossais pour MicroKids Multimédia. Je sais pas si j'en avais, si je vous en avais déjà parlé. Et c'est la première fois que je voyais en fait une cartouche ouverte, donc c'était un prototype, je pense. Je me pouche s'il était en français ou en anglais. Et moi, j'étais pas sur la partie jeux vidéo, je m'occupais de la partie dessin animé. Et donc j'ai travaillé pour deux numéros pour ce magazine. Puis après j'avais fait les années laser, mais bon c'était pas... J'avais fait un seul numéro, mais je crois pas que l'article avait été pris. J'étais juste dans l'ours. Faudrait que je retrouve le numéro d'ailleurs. L'ours, c'est l'endroit en fait où il y a marqué tous les noms de tous les journalistes. Elle se trouve en général soit au début ou à la fin du magazine. J'ai failli tomber sur ce coup-là. J'aime beaucoup les passages de rails comme ça. Même s'ils sont un petit peu difficiles. Il fallait savoir qu'il y avait ce passage bonus en haut. Alors, on va récupérer quoi? On va récupérer le poisson. Qui s'appelle En garde l'espadon de mémoire. D'ailleurs, toutes les musiques, je les ai achetées en CD. Alors, j'avais récupéré un CD français à l'époque. Et puis, c'est à l'époque où j'allais souvent dans les magasins japonais style Tonkam. Et j'avais acheté donc le CD japonais. Et comme je savais pas qu'au Japon il portait pas le même nom, il s'appelle pas Donkey Kong Country, il s'appelle Super Donkey Kong. Et je me dis, waouh, ouais, super, un nouveau truc et tout. Puis en fait, c'est exactement la même chose. Bon, c'est pas grave, c'est collector. Donc j'ai les deux CD, j'essaierai peut-être de vous les montrer, peut-être de les prendre en photo, vous les montrer sur le. Au-dessus de l'overlay, on va voir ça si on a la possibilité de le faire. De toute façon, vous le voyez peut-être probablement. Voilà, et là on se fait 343 x 2, hop, et on passe à 707. Donc ça nous permet de récupérer cette vie. De mémoire, il y a un x3, mais je sais plus du tout où donc. Allez, on est prêt. Pardon. Même si je suis crevé, il fallait absolument que je vous sorte la vidéo. En plus, j'ai un petit peu de temps, c'est calme aujourd'hui. Donc, voilà. Il y a eu pas mal de bruit toute la nuit à cause des gens dehors qui gueulaient. Donc, voilà. Là, j'espère qu'on l'entend pas trop, mais il y a les bébés chats qui sont en train de faire n'importe quoi, en train de faire des bêtises. Hop là, petit passage secret. À mon avis, vu le bruit, ils sont en train de courir un peu partout. Donc, si vous aimez les animaux et les chats en particulier, je vous mettrai le lien de la vidéo de ma chaîne spéciale animaux. C'est à la base la chaîne Gribouille, donc c'est le nom de notre chat. Et puis par la suite, ben, j'ai rajouté d'autres choses. Et puis maintenant qu'on a de nouveaux chatons, ben, il va falloir que je fasse des vidéos dessus. Là, ben, pour l'instant, ils ont bientôt 3 mois. Ils sont super mignons. Ils s'appellent Orion et Oscar. Donc Orion, c'est l'aîné. Et Oscar, donc
c'est le deuxième qui est né à peu près un peu plus d'une heure après. Voilà, donc ils ont beaucoup d'énergie à dépenser, donc ça court de partout, ça grimpe partout, ça fait plein de bêtises. Et c'est surtout quand ils dorment qu'ils sont super adorables. Bon, j'ai une petite préférence pour Oscar, qui est mon chat. Et Orion, en fait, c'est le chat de Cricri. Essayer de faire en sorte qu'ils soient heureux au maximum. Ils sont gâtés, mais pas pourri gâtés non plus. Voilà, donc on leur donne beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. Ils ont des jouets, ils ont de la bonne nourriture. Puis voilà, donc. Et en échange, ben, on a le droit à des ronrons, on a le droit à des câlins, on a le droit à pas mal de choses. Donc voilà. Ben, je crois qu'il ne nous reste plus que le boss à faire. Donc, on va faire le boss, puis après on va se laisser les amis. Alors, c'est lequel? Ah ben, c'est le tonneau. Donc, lui nous balance des sales bestioles. Qui nous écrase aussi d'ailleurs. Tonneau toxique. Donc là, on est sur du serpent. Après le croco. Voilà. Et maintenant, on est sur des alligators. Toujours avec en fond une horde de bananes. Il y a beaucoup de crocos, hein. Ils sont pas tous la même forme. Mais c'est des ennemis assez récurrents dans le jeu. Et voilà. Allez, on récupère une banane Nintendo. Écoutez les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi, je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. Jouez bien. Bye bye.